guys, welcome back to my channel. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. So today's video is really exciting because it's gonna be a French story time. I never ever did a French story time. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera en français. Ça sera une story time en français. C'est la première fois que je raconte une histoire en français ici sur ma chaîne YouTube, parce que vous savez, il est différent quand vous causez avec quelqu'un en français, parce que c'est ça que je fais avec ma famille, en cause français ici à la maison, avec mon copain je cause français. Mais raconter une histoire en français, ça a déjà commencé. It's really different, like c'est vraiment différent. Donc on va essayer cette fois-ci, ok? Et si vous aimez, je vais continuer à faire des vidéos en français, parce que j'ai remarqué que j'ai des abonnés qui parlent français et qui parlent anglais. Donc je veux m'assurer que tout le monde est satisfait sur ma chaîne, ok? Ok, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Aussi n'oubliez pas de laisser les commentaires, parce que je communique toujours avec les gens sur les commentaires. Et aussi suivez-moi sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat, ça serait sur l'écran ici. Et aussi dans le description, sur la barre de description, là en bas, ok? Ok, let's start it. On commence même de quel côté? Because this story time, it happened like before I started dating my fiance. So that was my last relationship before Jordan. So c'était ma dernière relation avant Jordan. Donc j'étais au lycée et le gars, il n'était même plus à l'école, hein. Il avait déjà un bon boulot, son appart, sa voiture. Donc vous connaissez, nous les filles du lycée, tellement on croit que genre le gars qui a son appart, le gars qui a sa voiture, qui a un bon boulot, c'était le gars qui chauffait à ce moment-là. Donc comme il avait tous ces trucs là, bien sûr moi étant au lycée, je serais genre une flamme, mon gars il a son appart, mon gars, tu vois. Donc c'était un peu le truc, c'était un peu le délire en ce moment. Je connais pas si c'est toujours comme ça que ça se passe maintenant, et surtout que genre vous me voyez, genre j'ai vraiment le corps d'une fille, you know, plus genre j'ai le corps de quelqu'un qui est plus âgé que mon âge. Donc au lycée c'était la même chose. Quand on me voit, on croit que j'étais même plus au lycée, tu vois. Donc, et ce truc-là, c'est bien comme c'est pas bien. Donc, moi-même, là, je faisais mon corps d'abord avec quelqu'un qui n'était plus à l'école. En tout cas, c'est passé, c'est passé. Donc, on s'est rencontrés par une amie en commun qu'on avait. Et elle nous a mis ensemble. Elle nous a connectés ensemble, en fait. Et je me rappelle bien, je lui avais dit, genre, il n'était pas mon style et consort, mais genre il m'a dit oh non t'inquiète, il est vraiment gentil, tu vas finir par l'aimer, essaye. Moi aussi lycéenne, j'ai dit ok, sans problème. Elle me dit, et c'est la première chose qu'elle me dit, il a sa voiture, il a son appart, il a un bon boulot, donc tu seras toujours mise aux petits soins, quoi. J'ai dit ok, sans problème, sans souci, ok. Et puis la première fois on causait lui et moi, texto appel, jusqu'à après, je crois, une semaine, on a essayé de se rencontrer, mais en présence de cette copine qu'on avait en commun là. Donc elle était là le jour qu'on s'est rencontrés, ce qui était vraiment bien, parce que c'est effrayant. Moi j'ai peur en fait de rencontrer des gens que je ne connais pas. Donc le fait qu'elle a dit qu'elle serait là, notre première rencontre, était très bien. Genre elle nous a fait sortir, je crois qu'on était parti au restaurant ou au centre commercial, je ne me rappelle plus bien. Mais je crois que c'était là-bas qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Il est venu me chercher, ma copine et moi, la fille qu'on a en commun, elle était chez moi, il est venu nous chercher. Premièrement, je vais vous donner un conseil. Ne laissez jamais quelqu'un venir vous chercher pour la première fois chez vous. I don't know what was wrong with me back then. Je ne connais pas ce qui ne marchait pas là, mais bon. La première fois, laissez qu'il vienne vous chercher au bus, à l'arrêt du bus, quelque chose comme ça, mais pas chez vous. Mais genre, il est venu chez moi, hein, le jour, il est venu. Il n'est pas entré chez moi en fait. Il a dit, oh, il m'a appelé, il a dit, là en bas, nous sommes descendus. En ce moment, on vivait dans un appartement. Après, on est descendu, le rencontrer dans sa voiture et puis de là, nous sommes partis. J'ai bien dit à ma copine ce soir-là, après qu'on s'est rencontrés, que genre, honnêtement, il n'est pas vraiment mon style, mais je vais essayer. Elle m'a dit, ah, il faut essayer. J'ai dit, je vais essayer. Donc, on a commencé à causer. On a continué à causer, mais cette fois-ci, on a décidé de sortir ensemble. Après, je crois, 2 semaines. 2 semaines, oui, après 2 semaines. Donc, on s'est rencontrés face à face après une semaine. La semaine qui a suivi, on a décidé de commencer à sortir ensemble. Donc, lui, il était cool. Mes copines l'aimaient parce qu'il venait, il les amenait à manger. Ils venaient nous chercher tous à l'école en voiture. Comme ça. Ils nous amenaient à manger, ils nous accompagnaient au centre commercial, ils nous amenaient prendre des classes. Ils payaient pour tout le monde. Donc, of course, bien sûr, toutes autres lycéennes qui sont des copines vont aimer ça. So, my friends, l'anglais sort de ma bouche, français comme in. Donc, toutes mes copines l'aimaient bien à cause de ça. Mais chaque fois que j'étais toujours avec lui, peut-être disons qu'on se voit 5 fois par semaine. Parmi les 5 fois là, 3 fois il y avait toujours un numéro inconnu qu'il appelait. Et c'était le même numéro qu'il appelait. Donc au début je disais oh non, rien. Les premiers mois j'ai dit oh, faut pas que je veux pas qu'il croit que je suis le genre de fille qui est genre sur son mec, genre sur le coup de son gars en fait. J'ai dit ok, je laissais. Et puis un jour, je crois qu'après quelques mois qu'on était ensemble, j'ai fini par dire ok, mais quel est ce numéro qui t'appelle trop là? Il me dit oh non, c'est mon ex, elle dérange, elle veut qu'on se remette ensemble, sachant que j'ai une nouvelle copine, elle est jalouse, je connais les ex. J'ai dit oh ouais, c'est vrai. Je vois un peu genre, je croyais ce qu'il disait quoi, mais ma copine, mon quota, c'était le mensonge. En tout cas, j'ai dit oh non, ça va. Et puis j'ai remarqué que ce numéro n'appelait plus trop quand on était ensemble. Après la fois que je me suis plainte, le numéro n'appelait plus trop. Je dis oh, donc tu t'es plaint, elle a arrêté d'appeler. Il me dit ouais, ma chérie, il avait bloqué le numéro. Donc ce qui se passait, c'est que quand il était avec moi, il bloque le numéro de la fille. Et quand il avait la fille, il bloque mon numéro pour que je ne peux plus le joindre. Parce qu'il y avait des fois aussi que je ne pouvais pas l'appeler. Il me dit son téléphone est mort, c'est mort. Et moi aussi je croyais. C'est après qu'il m'a tout dit ça, hein. Après quand on a cassé tout ça, qu'il m'a dit la vérité. Donc il m'a dit ouais, quand je venais te voir, je bloquais son numéro, quand je partais la voir, je bloquais ton numéro, c'est pourquoi souvent tu n'arrives pas à me joindre. Hey, les garçons, hein, l'homme est mauvais, en tout cas pas seulement garçon, parce que fille aussi c'est pas facile, mais l'homme est mauvais. J'ai dit ok, tu as parlé, elle écoutait, il dit ouais, elle écoutait et tout. Elle sait que je suis en couple, elle voit nos photos sur Facebook. Après Facebook, la tête vous raconte. Il avait 2 Facebook. Si les 2 Facebook, il avait les mêmes friends, les amis qui m'appelaient belle-sœur. Il était ami avec ses amis sur ces 2 Facebook là. Donc un Facebook c'était pour moi et lui, l'autre pour sa copine et lui. Donc il postait les photos de nous, c'était sur le Facebook de lui et moi. Et puis quand il postait avec sa copine, c'était sur l'autre Facebook. Moi, je vous assure, j'ai jamais su à propos du Facebook jusqu'après la relation que j'ai su qu'il avait 2 Facebook. Parce que moi, genre, pourquoi vais-je douter de lui? Parce qu'il était un gars qui était bien attentionné, qu'on saute. Ce qu'on aime là en tant que go, il était ça. Donc, j'ai dit, ok, tu vois, il dit que c'est vrai, tu postes nos photos tout le temps et tes amis commandent en bas, oh, notre soeur, belle-sœur et tout. Donc, je suis sûre que, genre, elle a vu, elle a compris le message, surtout comme tu lui as parlé. Il me dit que oui. T'inquiète, ne parlons plus d'elle. J'ai dit ok. Quelques mois après, ça faisait déjà on était dans la relation, ça faisait dans 6 mois par là. Donc la fille encore un jour appelait trop. Et puis il ne prenait pas le téléphone. J'ai dit mais prends. Il me dit non. J'ai dit prends. Il dit non. J'ai dit ok. Peut-être ne veut pas prendre. Il me dit que il ne veut pas prendre parce que il ne veut pas gâter le moment qu'on est en train d'avoir, parce qu'il sait qu'elle va vouloir commencer à le supplier, il n'a pas le temps pour ça, il ne veut pas attendre, parler de ça et tout. J'ai dit ok, c'est vrai quand même, il met son téléphone sur mien. Et puis on est en train de chill, on chillait, tu vois. On chillait. Et puis j'ai laissé tomber cette affaire là, ça faisait déjà strike one, parce que j'ai dit, genre un cœur m'a dit, ce gars là, s'il a parlé à la copine, elle a arrêté. Pourquoi tout d'un coup elle recommence encore à appeler trop comme ça? Même quand tu veux supplier le gars, tu appelles 1, 2 fois, 3 fois maximum. Tu dis ok, tu laisses même le voice, tu laisses même le texto. Tu dis ok, qui va vouloir m'appeler ou bien s'il va me parler, tant pis. Mais la fille l'a appelé, elle a commencé à appeler 6 à 7 fois. Elle dit ah non, quelque chose ne cloche pas bien. Donc, et on se voyait 5 fois, comme je l'ai dit tantôt, par semaine. Souvent un bon nombre de fois par semaine. Et puis je me rappelle, quelques semaines sont passées, ce numéro-là continue encore à appeler. Je me rappelle, j'ai pris son téléphone, il était aux toilettes, elle a appelé, j'ai pris. J'ai dit allô, elle dit allô, c'est qui? J'ai dit c'est qui? Elle dit toi c'est qui? J'ai dit je suis sa copine et toi? Elle dit je suis aussi sa copine. J'ai dit quoi? Il m'a dit c'est son ex, je me rappelle bien du numéro. tu es son ex, c'est pourquoi ton numéro n'est pas enregistré dans son téléphone. Elle me dit, oh non, 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 je suis sa copine. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Et je dis quoi? Elle dit 3 ans, elle dit 3 ans. Elle dit oui. Elle dit et toi? Elle dit que non, ça fait même pas encore 1 an que nous sommes ensemble. Mais tu es le numéro qui passe le temps à l'appeler. Il m'a dit qu'il t'a causé, il t'a parlé, il t'a dit d'arrêter d'appeler, mais tu continues, tu insistes et tout et tout. Elle me dit non, 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 je suis sa copine. Et puis il est venu m'attraper sur le téléphone, bien sûr, il l'a arraché. Et puis il a vu qu'il était au téléphone, il l'a arrêté. Et puis il a commencé à me crier dessus. Il a dit que ah, tu me cries dessus. Tu me cries dessus, me dis que waouh, oh, pourquoi t'as fait ça? Oh, tu m'énerves et tout ça. Attends, je ne peux pas te déposer chez toi et tout ça. Il dit que please, pardon, Oya, dépose-moi, je ne veux plus être ici, maman, en fait. Il me dit que et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit que rien. J'ai seulement su que c'est ta copine, vous êtes ensemble à 3 ans. Et puis, elle m'a demandé, j'ai dit que ça fait moins d'1 an qu'on est ensemble. Et puis, il me dit, oh, oublie-moi, efface mon numéro. Hein? Ça, on appelle ça psychologie reverse, c'est genre reverse psychology. Donc maintenant, il faisait comme si c'était moi la personne qui était en faute. J'ai dit, ok. Genre, il rentre à la maison, je pleure, j'appelle ma copine, là, elle appelle, elle cause avec lui, et puis, et tout. En passant, la fille là qui nous a mis ensemble, la mis en commun qu'on avait là-haut, sortait avec lui avant, mais elle m'a pas dit ça, elle m'a menti, elle m'a dit qu'ils ne sortaient pas ensemble. Donc j'ai dit ok. C'est après tout ça qu'il m'expliquait maintenant, parce qu'il m'avait déjà dit ça dans la relation, j'ai demandé à la fille, elle me disait non, elle niait, elle niait. Donc c'est après la fin de la relation qu'il m'a carrément tout raconté. En tout cas, il m'a donné tout le gros lot, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus de... On ne pouvait plus revenir ensemble, parce que j'avais dit... Même si jamais ça n'allait plus se faire. Donc, il a décidé une fois de me dire la vérité pour que nous deux, on parte de nos gens, on change de direction, mais au moins on connaît ce qui s'est passé. Donc, la go m'appelle, elle a causé avec lui, après m'appelle, elle me dit ça va, il va t'appeler demain, t'inquiète, il est vraiment énervé comme ça vient de se passer, t'inquiète, demain vous allez causer, ça va aller et tout. J'ai dit ok, sans problème, merci bien et tout ça. Après, lui et moi, le lendemain, on cause, on s'arrange. Le temps passe, la fille n'appelle plus, je ne vois plus les appels. Donc je pense que c'est parce qu'il bloquait le numéro, je ne vois plus les appels. Après maintenant, ça faisait déjà 1 an et 3 mois qu'on était ensemble, je me rappelle très bien. C'était 1 an et 3 mois, c'était le mois de janvier, janvier 2014. Après, le numéro encore appelle, on est ensemble, on était dans son appart, toujours en train de chill. Le numéro appelle, il ne veut pas prendre. J'ai dit pourquoi tu ne veux pas prendre, il dit que c'est encore le problème qui s'est passé la fois dernière là et tout. Si tu veux que je prenne, ou bien si tu veux prendre, tu sais que toi et moi c'est fini. Ah, moi j'avais peur, j'ai dit oh non, il était vraiment bien plus âgé que moi en passant, si j'ai pas dit ça déjà. Donc j'avais dit ok non c'est bon et tout. La fille insistait, elle insistait et puis il préparait, parce qu'il préparait pour nous, on chillait. Donc, quand il est parti à la cuisine pour regarder ce qu'il avait mis au feu, j'ai pris le téléphone encore. Moi aussi t'es chio. J'ai pris l'appel. Il dit encore toi madame. Elle me dit genre oh qui es-tu? Arrête de prendre son téléphone. Et toute la fois il m'a dit que tu étais juste sa cousine. J'étais juste sa cousine. Ok. Il dit oh ah bon? Elle me dit ouais. Il dit ok. En tout cas il m'a dit que tu étais son ex et je suis sa copine. Ça fait 1 an et 3 mois que nous sommes ensemble. Donc s'il te plaît ma chérie arrête. Elle me dit non, toi arrête. J'ai dit ah ah, toi arrête. J'ai dit quel est ton Facebook, parce que je sentais d'ailleurs comment il devait bientôt arriver. J'ai dit quel est ton Facebook, je t'ajoute maintenant si tu veux qu'on pose, parce que c'est que si je continue à parler plutôt au téléphone, il va m'attraper, ça va pas être bien. Elle me donne son Facebook, j'ai mon téléphone là même, j'ai déjà mis dans mon téléphone. Et puis par ma chance il m'a attrapé, j'étais au téléphone mais il n'a pas vu que j'avais là pour récupérer le Facebook de la fille. Et puis il a bien pris, il a arraché le téléphone, il dit que oh Justin, tu n'apprends pas, n'est-ce pas? Je t'ai dit d'arrêter ça et tout ça. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est pourquoi je ne sais pas pourquoi je fous avec, je sais pas ce que je fous avec une gamine comme toi. Ah, oh, non, c'est juste que tu sais que c'est une gamine. En tout cas, oh, tu dois grandir. Il m'a bavardé, j'ai commencé à pleurer parce que je connaissais dans la vérité. J'ai commencé à pleurer. Il me dit que tu pleures quoi? Et tout. Tu vois ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu laisses cette fille mettre les problèmes entre nous comme ça? Ah, j'ai dit, oh! L'homme. Après il dit ok. Il dit en tout cas qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je suis prête à te déposer chez toi. Et même la nourriture là, oublie, je me rappelle bien. Il dit, même la nourriture là, oublie. Tu peux juste rentrer. Je dis, ok, dépose-moi, ça va. Il me dépose, j'étais dans la voiture, calme, je pleurais. Et il vivait 30 à 45 minutes de là où je vivais, de chez moi. Donc tout le trajet, j'étais assise, calme, je pleurais. J'étais vraiment down, quoi. J'étais vraiment sad, j'étais pas d'humeur. Donc il était calme, j'étais calme. Parce que d'abord, de nature, c'était un garçon calme. Donc il était calme, moi, j'étais calme, je pleurais. Tu vois, comme ça, c'était moi. Et puis, il met la musique. Je me rappelle, il met bien la musique, bien le volume. Donc, il n'écoutait même pas mes pleurs. Les larmes. Après, il m'a déposé. Et puis, j'ai décidé de ne pas l'appeler. J'ai appelé la fille pour l'expliquer. J'ai dit, moi et ton ami là, c'est bon. Lui et moi là, c'est fini, je ne veux plus. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai dit la même chose, mais cette fois-ci, c'est même plus pire. La fille, elle m'a dit, et voilà son Facebook. Je demande à ma copine. Ma copine dit que, oh oui, c'est son ex. Je connais bien la fille. Elle dit, hein? Elle me dit que oui, Michel a rencontré la fille en fait. Elle dit que c'est plus son ex, ils sont ensemble. Elle me dit, ah bon, elle dit, avant qu'elle me dit, oh, elle me laisse, elle me dit qu'elle est désolée, comment ça s'excuser maintenant? Elle me dit, Justin, tu vois, désolée, c'est monté, c'est dit, ok, ça va, t'inquiète, c'est pas de ta faute, c'est de sa faute à lui. J'ai décidé de ne plus l'appeler. Donc il arrive à la maison, il m'a dit, oh, merci pour ce que tu as fait. En tout cas, je ne veux plus de toi. J'ai dit que, appelle-moi s'il te plaît, parce que moi j'ai quelque chose à te dire, parce que moi aussi on ne voulait plus. Il m'appelle donc, je dis que oh, je connais toute la vérité, j'ai ces informations, j'ai son Facebook et tout, je commence à le gronder au téléphone, je dis que oh, tu me prends pour une idiote, genre, tous les mots qui sortaient de ma bouche ce jour-là. Il commence à babader, j'insulte. Et puis il me dit que oh, tant tu n'es qu'une gamine et tout, tu es toujours en train de vouloir laisser les autres personnes entrer dans notre couple, tout ça. Il me faisait me sentir comme si c'était moi la bête là, comme si c'était moi qui était le problème, pourtant c'était... Oui. Et il commence à bavarder. Il dit qu'en tout cas, tu sais quoi, c'est bon, je ne veux plus. Il me dit que oui, je ne veux plus aussi, que nous deux, on ne veut plus, donc c'est bon, ça tombe même bien. Et tout, je veux commencer à bien m'amuser parce que je te prenais sérieux pour rien, pourtant tu n'es qu'une enfant. Je lui ai dit que ok, sans problème. Va de ton côté, je vais aller du mien. En passé, il était camerounais, anglophone, moi je suis camerounaise, francophone. Donc, on parlait en anglais. Parce qu'il ne parlait pas vraiment français, pardon. Donc je dis ok, c'est bon, c'est fini. Puis ma copine m'appelle après pour me dire, elle a causé avec lui, il a aussi dit qu'il est d'accord, qu'il ne veut plus la relation. J'ai dit que c'est un problème. Et moi j'ai pleuré, je me rappelle, le lendemain, je pleurais. Et en passant, quand j'étais comme ça en couple là, personne ne me connaissait. Ça fait très mal quand tu pleures là. Quand tu pleures parce que ton gars et toi ça n'a pas marché et tu n'as dit à personne dans ta famille, parce que moins si ta famille savait, on a dit ok, désolé, j'allais te consoler, mais quand c'est la douleur là, tu dois ressentir ça seul, ça fait quelque chose d'autre. Donc j'étais vraiment dans ma chambre, je pleurais. J'ai pleuré pendant des jours. À l'école je pleurais, partout je pleurais. Après, une semaine est passée, on ne s'est plus appelé, hein. C'est la semaine là, une semaine, je l'avais effacé partout. Moi, je faisais donc mes recherches sur Facebook. Je mets son nom parce qu'il avait passé. Mais je mets toujours son nom souvent et check pour voir ce qu'il faisait. Tu check toujours pour voir s'il a un posting, une nouvelle photo, pour voir ce qu'il a mis. Tout et tout. Parce que je laisse seulement effacer, il n'est pas bloqué. Donc, un jour, je check comme ça là. Je vois quelqu'un a like la photo. Maintenant, je vais partir chez les gens qui ont like la photo qu'il avait postée. J'arrive. L'idiot utilisait notre compte pour aimer le compte que lui et moi on a mis dessus. Donc je vois un nom un peu comme ça, pas mais genre, il est un peu touché, ça genre, c'était pas vraiment le même nom quoi. Je clique. Imaginez qui je vois. Le monsieur et la go là. Et ils venaient juste de poster la photo. Tu vois comme sur Facebook, souvent tu appuies, ça dit la photo postée, tu vois la date là. Même quand je n'ai pas mis la personne là, tu peux voir. C'est exactement ce que j'ai vu. Il dit, ah, donc pendant que je suis ici, je suis en train de pleurer. Regarde, avec la go en train de s'amuser. J'ai dit, ok. J'ai demandé à une amie à moi de rajouter le compte là. Elle a commencé d'avoir, elle m'envoie maintenant les captures d'écran, tout ce qui s'est passé sur le compte là. Elle m'envoie ça, m'envoie ça. Donc, quand elle m'envoie ça, je renvoie au gars. J'envoie au gars. Il me dit que, oh, fous-moi le compte, laisse-moi tranquille et tout. C'est ce qui se passe actuellement parce qu'on n'est plus ensemble, n'est-ce pas? Je dis que monsieur, les dates là, ça montre que tu étais avec cette fille même contente, hein, parce que j'encerclais les dates pour qu'il voit, il dit que oh non tant pis parce qu'actuellement on est ensemble, je m'en fous, je ne te dois pas d'explication. Je dis ok, sans problème. 2 semaines passent, mon numéro, mon téléphone sonne. Allô, c'est monsieur. Il dit je veux te parler. Il dit encore quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le dernier mot que je lui avais dit, je me rappelle, c'était que karma is a bee et ça va venir derrière toi. I was like, karma is a bee. So, and I was like, j'ai dit que crois-moi, ce que tu m'as fait là, quelqu'un d'autre va te faire ça. Ou bien, quelqu'un va faire ça à quelqu'un que tu aimes dans ta famille. Et je lui avais dit ça, parce que moi je ne blague pas, je crois bien au karma. Je dis ok, on a laissé tomber. Chacun est parti de son côté, on s'est séparés. Et puis, c'était le dernier mot que je lui avais dit. C'était le dernier mot, après les photos que j'ai envoyées là, quand il me voulait m'insulter, tout ça, que oh non, on n'est plus ensemble, il ne doit pas d'expression. C'était le dernier mot que je lui ai dit, c'était tout. 2 semaines après, je vois comment il m'appelle, il me dit qu'il veut qu'on cause. Je dis ok, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il me dit la vérité avant qu'on ne se sépare complètement. Il dit que nous sommes là séparés complètement, que la vérité encore. Il me dit que oui, quand il était avec moi, avant qu'il ne se mette avec moi, lui et sa copine avait les problèmes. Et puis, ils sont arrangés, mais lui et moi on sortait ensemble. Et que j'étais tellement une bonne fille, il ne voulait pas me perdre. Je ne savais pas quoi faire, il a décidé de faire les deux en même temps, de sortir avec les deux en même temps. Il croyait qu'il pouvait le faire, mais il a vu que c'était vraiment difficile parce qu'il devait s'assurer que tout allait bien de mon côté, tout allait bien du côté de la fille et tout et tout. Donc il a commencé à m'expliquer un peu et tout. Désolé, la caméra s'est coupée. Donc après il me dit, en passant, cette copine qu'on a en commun n'est pas vraiment ton amie. Voilà les messages. Maintenant il m'envoie aussi les screenshots de comment il disait oh j'ai appris que tu l'as mené au centre commercial avec ses copines et toi tu es jalouse. Et tu sais que quand toi et moi on sortait ensemble, tu ne faisais pas tout ça. Ah, sortir ensemble. Je confronte la fille après, elle a nié. J'ai bien dit, j'ai les photos, j'ai les vidéos, genre. Parce que souvent, elle envoie les vidéos d'elle, quoi. J'ai tout ce que tu l'as envoyé. J'ai vos messages. Elle a toujours nié que non, c'est pas ça. C'était pas elle qui utilisait son téléphone. J'ai dit que ah, le corps là, c'est alors qui. Fais pas toi, c'est la vidéo. Mais tu connais les filles aussi. C'est que je dis l'homme grand H là. Grand H est mauvais. Après, il m'a dit toute la vérité. Il m'a dit, oh, il ne savait pas comment il devait faire parce que j'étais mongo. Il ne voulait pas aussi casser avec moi. Il y avait la fille, il a essayé de faire les deux. Mais il voit maintenant qu'il a mal fait. Il est vraiment désolé. Je dois l'excuser et tout, que lui et la go. Elle aussi, elle est fâchée de son côté. Donc, ils ne sont plus ensemble. Et pourquoi? Dis-moi la vérité parce que je sais que j'ai vu quelques jours après que lui et moi on a cassé. Ils ont posté, comme j'ai dit tantôt, sur Facebook. Donc j'ai dit, vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'il a trouvé la fille dans son appartement. Parce qu'elle avait son appartement aussi. C'est aussi une fille âgée comme lui. Donc elle avait son appartement. Lui, il est parti visiter la fille dans son appartement. Elle, il l'a trouvé là-bas avec un autre homme dans la chambre. Et if you guys want, si vous voulez la partie 2 de l'histoire de ce qui s'est passé là, la continuité de cette histoire, laissez dans les commentaires en bas. Sinon, c'est tout. C'était mon histoire quand il était en couple. Moi, j'étais le deuxième bureau apparemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez aussi, laissez les commentaires en bas. On va causer en commentaire en bas. Et aussi, activez votre cloche de notification pour que vous puissiez être à jour avec mes vidéos et être alerté chaque fois que je poste mes vidéos. En tout cas, ça c'est ma première story time en français. Je suis très contente. Je pense que j'ai pas fait si mal que je pensais. Je crois que j'ai fait un ok job. Et si vous voulez aussi plus de story time en français, faites-le moi savoir en bas sur les commentaires. Une fois de plus, ajoutez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Ça serait juste ici en bas et aussi sur la barre d'infos juste là en bas. Et à la prochaine, mes louloutes. Bye guys, au revoir.